absolument de 1890 essentiellement jusqu'à 1960, période au cours de laquelle, à de multiples reprises, les militants, beaucoup les militants nationalistes, les militants progressistes de gauche, se sont attaqués à essayer de desserrer les taux, à s'affranchir de cette domination du grand capital, et les forces progressistes réunies autour d'abord d'un programme qui s'appelait le programme de restauration sociale, qui était une réponse à la crise de 1929 et qui a donné naissance à une grande coalition qui était l'Union nationale, une coalition qui a évidemment trahi ses porteurs et trahi ses ambitions originelles, qui étaient ses ambitions de trouver une autre configuration à l'économie du Québec, étant donné que le laisser-faire l'avait à la fois conduit à la prolétarisation sous la bonne grandeur et évidemment une prolétarisation qui a été accentuée par l'échec provoqué par la crise de 1929. Donc, une des voies de sortie de crise, c'était de rechercher désespérément à reprendre le contrôle sur les ressources naturelles qui sont le levier pourvoyeur de ce que Marx aurait appelé l'accumulation primitive, c'est-à-dire les moyens de produire la richesse de base pour faire le reste. Alors, c'est pendant 40 ans qu'on a débattu de la nationalisation de l'électricité pour reprendre le contrôle des ressources hydrauliques et qu'on a également souhaité développer un régime forestier qui ne laissait pas les grandes compagnies les ennemis en voie et maître sur les forêts du Québec. Et ça nous amène à aller jusqu'aux années 60. Absolument, parce que comme les ressources naturelles sont un levier stratégique sous le contrôle de l'État, mais il devenait évident que c'est par l'État qu'on était capable de faire cette reconquête. Et c'est comme ça que la révolution tranquille s'articule essentiellement, d'abord et avant tout, sur un projet de reconquête des ressources naturelles. Le contrôle sur les ressources naturelles avec la nationalisation de l'électricité et, un peu plus tard, avec la création des sociétés d'État facilitant à la fois l'exploration minière, l'exploitation forestière, le développement de l'exploration pétrolière, donc toutes ces sociétés qui ont été créées pendant les milieu des années 60 jusqu'à la milieu des années 70 à peu près, donc SOCEM, Société québécoise d'exploration minière, SOCEP, Société québécoise d'initiative pétrolière, export pour la société de développement des forêts, etc. Et cette idée a, pendant un certain temps, donné des fruits, et où effectivement l'État du Québec a réussi certaines opérations. Par exemple, l'hydroélectricité, ça a été un succès retentissant avec l'Hydro-Québec et l'ensemble de ces développements, qui ont donné ces développements la possibilité d'infléchir l'investissement dans l'industrie, parce que en contrôlant les tarifs, on peut orienter l'investissement. Et il y a eu des succès relatifs avec Rexport, SOCEM et SOCEP. Et ces succès n'ont pas été conduits à leur aboutissement, essentiellement parce que à la fin des années 80 déjà, l'élite d'affaires québécoise se divise sur la pertinence du recours à la stratégie d'État. Ça va donner en 1985 cette notion survenue d'État-providence, parce que le rapport de laisser-faire, de libéralisation avait été signé par Paul Gobeil qui venait de chez Provigo. Et ça va s'accentuer au fil des années et évidemment connaître une période assez sombre après Jacques Parizeau, avec un huissier Bouchard qui ne demandait pas mieux que de s'agenouiller devant les puissances. Et ça va, en dépit de ces recoins, le Québec réussissait tant bien que mal à garder le cap, mais avec l'arrivée au pouvoir des libéraux, là, vraiment, on retourne à la situation des années 20, avec un libéralisme inconditionnel, avec des élites du tout au marché, qui vont à la fois viser la réduction de l'État,
non seulement la réduction de sa taille, mais son appauvrissement intellectuel en le privant de ses compétences, en asséchant la capacité de compréhension et d'orientation des politiques de l'État. Donc, on va dilapider l'expertise et on va réduire à presque rien les sociétés d'État qui avaient été créées en sortant des soquets, et on va laisser dilapider les grands acquis de sa société d'État, Socam, avec les bases de données, tout le matériel sur la recherche, tout ça est resté en déshérence. Et dans le cas des efforts pour le pétrole, et Hydro-Québec et Socam, qui auront fait des travaux considérables, tout ça aurait été bradé dans des circonstances nébuleuses et dans des conditions qu'on ne connaît pas, et privatisé. Et ça nous amène à son plan pour perdre l'or. C'est-à-dire qu'on a une situation qui pourrait comparer à la belle où on perd le contrôle de nos ressources. Il n'y a aucun doute. L'ampleur des investissements et des mouvements de capitaux qui sont évoqués par le plan d'or, et encore là, ce ne sont que ce que les relations publiques laissent paraître, parce que si on négocie ailleurs, on ne sait pas, ça autorise toutes les cartes, parce que ce plan n'a de plan que le nom, c'est un abus de langage, il s'agit essentiellement d'un exercice de relations publiques pour justifier le fait que nous cédons aux compagnies minières l'initiative sur les bassins de ressources d'autres territoires. C'est d'autres pays qui auraient ces territoires. C'est énorme. Absolument, c'est gigantesque et il y a là un énorme potentiel qui pourrait servir à un développement intelligent et à une prospérité qui soit d'abord au service des objectifs du développement du Québec. Là, vraiment, le gouvernement du Québec se prosterne littéralement devant les investisseurs. La semaine dernière, le ministre Serge Simard, le ministre des Mines, a déclaré quelque chose qui est absolument invraisemblable. En commission parlementaire, alors qu'on débattait du projet de loi pour moderniser la loi sur les mines, il a dit qu'il n'était pas question de fixer le moindre objectif ni la moindre contrainte concernant la transformation des minerais de visés par le plan Nord, parce que ce serait un protectionnisme mal toléré par les investisseurs. Alors là, bienvenue au 19e siècle. Nous sommes littéralement là dans une république de banane, c'est un rapport néocolonial que ce ministre nous propose. Alors là, on comprend aussi pourquoi le plan Nord n'est pas un plan Nord. On comprend pourquoi c'est seulement le document de relations publiques et qu'il est si pauvre en précision sur le cadre réglementaire, sur les modalités d'exploitation, sur les modalités de financement, parce que dans le fond, on n'a pas besoin de savoir ça quand on veut laisser faire toutes ces études, tout cet effort de réflexion collective est tout à fait superflu. Alors évidemment aussi, nous sommes là dans le prolongement typique de la philosophie du darwinisme social, c'est-à-dire tout pour les riches et le reste pour les autres. On demande aux Québécois de faire 47 milliards d'investissements de fonds publics pour se mettre au service des grandes entreprises qui vont exploiter les minerais et devant lesquelles le ministre dit « Nous ne vous posons aucune condition sur la transformation ». On va laisser exporter les emplois et la valeur ajoutée, comme disent les économistes, dans les pays étrangers. Mais comme on a dit, je pense que dans une autre entrevue, quand on sait la demande, quand on connaît la demande pour ces ressources, le Québec est vraiment en position de force. Nous pourrions, avec une demande mondiale qui est structurellement à la hausse. Bien sûr, les prix vont fluctuer, mais
les minéraux, les cinq minéraux stratégiques, le fer, le zinc, le cuivre, le nickel, l'or, ces minéraux-là sont essentiels au décollage industriel. Et la Chine, l'Inde, le Brésil, enfin le BRIC, la Russie, ces pays en ont absolument besoin et ils continueront d'en avoir besoin. Donc, la demande va rester à la hausse. Alors, nous sommes dans une situation aberrante où nous avons des gisements très riches, convoités, et nous faisons tout pour les vendre pas cher. Alors, c'est une aberration. Le ministre Bachand répète sans cesse, nous avons aussi le niveau de redevances. Mais le problème n'est pas le niveau des redevances, le problème c'est la valeur. Et quelle proportion ces redevances-là représentent-elles de la valeur extraite? On va extraire des centaines de milliards de valeur et tout ça nous vaudra peut-être quelques centaines de millions, c'est une façon, alors qu'il s'agit de ressources non renouvelables. Nous n'avons pas le droit d'aliéner le patrimoine dans les générations futures. Et moi je soutiens qu'il faut trouver une formule d'exploitation qui, parce que précisément, elle détruit, elle fait disparaître une partie du patrimoine national, doit être suffisamment astucieuse pour élargir le potentiel des générations futures. Il nous faut donc que la plus grande part des bénéfices que nous tirons du sol aille dans des instruments financiers qui seront au service de nos enfants et petits-enfants. C'est l'éditorial du numéro de janvier qui sort demain. En parlant, nous, du Nord, le débat sur le plan Nord n'est pas terminé et loin. Nous sommes juste commencés. Oui. Et je crois que c'est un secret polichinelle que le gouvernement libéral lui fera une très bonne place dans sa campagne électorale. Et là, vraiment, c'est en même temps un peu machiavélique parce qu'on va utiliser une situation volatile sur le plan électoral pour nous faire peut-être avaler d'énormes couleurs. Jean-Charest, le publiciste de Goldcorp. Oui, ben effectivement, il est là à l'évidence un commis voyageur. C'est ça. Et ça fait une petite façon.